I'm a military man. I know what's waiting for the government of Tehran if they proceed with their effort to gain nuclear weapons. I know what's waiting. Every president of the United States has said no nuclear weapons for Iran. President Barack Obama said it when he was a candidate. That's the policy of this government. I know what's waiting. And war is a terrible thing. It doesn't have to happen. It shouldn't happen. Instead, the people of Iran should come together with you. They should come together with your ideas, your passion, your courage, your commitment to human decency and human rights. And we should move this forward to build a new Iran and a new Middle East on these values and on the sacrifices and on the sacrifices, the blood, the courage, and the commitment of your people at Camp Ashraf. Thank you. C'est avec beaucoup d'émotion que j'exerce ma liberté aujourd'hui en étant ici avec vous. Et lorsque je venais pour vous rejoindre, je me demandais, que peut-on faire? Que peut-on faire? Et en arrivant, j'ai eu cette extraordinaire nouvelle de savoir que quelqu'un que j'avais cherché depuis ma libération, à qui je dois beaucoup, et que je n'avais pas pu contacter, j'ai été informée que le professeur Elie Wiesel allait être ici parmi nous. Et c'est pour moi un immense privilège. Et c'est un immense privilège parce que lorsque j'étais en captivité, aux mains de terroristes, je me sentais abandonnée. Et je sentais que ma situation n'intéressait personne. Et puis il y a eu une voix qui est allée s'unir à la voix de mes enfants. Et cette voix, c'est celle du professeur Elie Wiesel. Et à partir de là, le combat de ma famille et de tous ceux qui voulaient nous sortir de cette captivité s'est renforcé et est devenu possible depuis, au cours du temps et très vite, nous avons eu la bénédiction d'une opération militaire qui nous a permis de sortir de cette captivité. C'est pour ça que je parle de ce bonheur de me retrouver avec le professeur Elie Wiesel, parce que je pense que c'est justement cela qu'il faut faire. Quand on est dans l'ombre, on a besoin de lumière. La lumière, elle est apportée par la voix de ceux qui ont de la lumière. Et je me sens très émue, très soulagée aussi, de partager ce moment avec des personnes aussi extraordinaires comme M. Patrick Kennedy, comme le général Clark, comme le général Jones qui vient de partir.